Heavenly Father, Père céleste, as we continue our studies in Ezra 7:9, alors que nous continuons notre étude d'Esdras 7:9, we ask for a continued blessing. Nous te demandons pour tes bénédictions encore. Help our minds to be clear. Aide notre esprit à être clair. And may we not be distracted. Et que nous ne puissions pas être distraits. By the worries and perplexities of life. Par les difficultés et les problèmes de la vie. We ask these blessings in the name of Jesus. Nous te demandons ces bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. In our last presentation, dans notre précédente présentation, we read Ezra 7:9 and Ezra 7 and Ezra 8. Nous avons lu les chapitres 7 et 8 d'Esdras. Then we read some statements from prophets and kings. Et nous avons lu quelques citations tirées de prophètes et rois. And we made a list of a number of events that were occurring. Et nous avons fait une liste des différents événements qui se sont produits. We then started to look at calendation. Ensuite, nous avons regardé au calendrier. And we made a table. Et nous avons fait donc ce tableau. And we were looking at biblical time. Nous avons regardé au temps biblique. Prophetic time. Au temps prophétique. The Hebrew calendar. Au calendrier hébreu. And our own Gregorian calendar. Et notre propre calendrier grégorien. And we want to understand. Et nous voudrions comprendre. The relationship between these different calendars. La relation entre ces différents calendriers. We understand this to be a literal calendar. Nous comprenons que c'est un calendrier littéral, la première ligne. That existed in the time before the flood. Qui existait avant le déluge. And these calendars here. Et ce calendrier, ces calendriers-là, grégorien et juif. Are literal calendars that occur after the flood. Et ce sont des calendriers littéraux aussi, mais qui ont été utilisés après le déluge. And we have one more calendar, which is a prophetic calendar. Et nous avons encore un autre calendrier. Celui de la prophétie. We understand that this prophetic calendar is based upon the principle of day for a year. Et nous comprenons que le calendrier prophétique est basé sur le principe un jour égale une année. And you'll see that it uses the same calendation as the biblical calendar. Et vous voyez que le calendrier prophétique utilise le même que est le même que celui du calcul biblique. So when we do any prophetic calculations. Donc quand nous faisons un calcul prophétique. We will use. It will be based upon a biblical calendar. Nous nous basons sur le calendrier biblique. After the flood, après le déluge, there was some change in the Earth's rotation around the sun. Il y a eu quelques changements sur la Terre par rapport à la rotation du Soleil. And also of the moon around the Earth. Et également concernant la Lune autour de la Terre. Inspiration doesn't give us any details of what changes were made. L'inspiration ne nous donne pas les détails sur ce qui a été changé et ce qui est resté. But we know today. Mais aujourd'hui nous savons. That there is not a fixed monthly cycle of the moon. Il n'y a pas un mois fixe par rapport au cycle lunaire. And that the moon and the sun cycles. Et le cycle lunaire et solaire. Are not synchronized. Ne sont pas synchronisés. In an even way as they were before the flood. Comme cela l'était avant le déluge. So each civilization has had to make adjustments. Donc chaque civilisation a dû faire des ajustements. The Hebrews, les Hébreux, were commanded to base their months on the cycle of the moon. Il a été commandé aux Juifs de d'établir leur cycle mensuel sur la lune. But they also needed to take account of the rotation of the Earth around the sun. Mais ils devaient prendre aussi en considération la rotation de la Terre autour du Soleil. Now, even though we have a 12-month cycle. Bien que nous ayons un cycle de 12 mois, we really don't follow the cycle of the moon. Nous ne suivons pas vraiment le cycle lunaire. Our calendar is based solely upon the rotation of the Earth around the sun. Notre calendrier est basé sur la rotation solaire, la Terre. When we look at the Hebrew calendar, quand nous regardons le calendrier juif, we see they had a civil and a religious calendar. Nous avons vu que les Juifs avaient un calendrier civil et également religieux. The difference between the civil and the religious calendar. La différence entre les deux calendriers. Is the start of the year. C'est le début de l'année.
It was either autumn or spring. L'un commence en automne l'année et l'autre commence l'année au printemps. Up to the time of Christ. Après l'époque de Christ. The Jewish nation as a whole. La nation juive en tant que tout. Followed a very strict understanding of their calendar. A vraiment suivi d'une façon très stricte la compréhension de leur calendrier. So they understood that they should start their year in the spring. À cette époque-là, les Juifs comprenaient qu'ils devaient commencer l'année au printemps. But they were commanded to take account of certain things. Mais il leur était demandé de prendre en considération certaines choses. There were three things they needed to consider. Et il y avait trois choses qu'ils devaient considérer. The spring equinox. L'équinoxe donc du printemps. The new moon. La nouvelle lune. And also they needed to take account of the barley harvest. Mais également de la récolte de l'orge. After the time of Christ. Après l'époque de Christ. During the dispersion of the Jews. Durant la dispersion des Juifs. After Jerusalem was destroyed in AD 70. Après que Jérusalem eut été donc détruite en l'an 70. They began to change the way they understood the beginning of the year. Ils ont commencé donc à changer leur façon de comprendre le début de l'année. There were two things that influenced this. Il y a deux choses qui ont influencé cela. One of them was the difficulty of understanding when a barley harvest was going to occur. L'une était donc la difficulté de comprendre à quel moment la récolte de l'orge allait être effective. But the second more important issue. Et la deuxième importante qui est la deuxième le deuxième point qui est tout autant important was that the apostate Christians. C'était que les chrétiens apostats who we identified to be the papacy, que nous avons identifié comme étant la papauté, began to bring pressure upon the Jews. Ont commencé à mettre de la pression sur les Juifs. And they were forced by means of punishment. Et ils ont été contraints par des châtiments. Initially starting with fines, and then more severe punishments. Fines. They used to make them pay money if they did. Ok, donc leur chat des punitions, c'était qu'ils étaient taxés, devaient payer de quelque chose. They begin to bring pressure upon the Jews. Donc ils ont commencé à mettre donc la pression sur les Juifs. To force them to stop using Karaite reckoning. Pour les obliger à arrêter d'utiliser le calendrier karaïte. And because of these two issues, et à cause de ces deux points-là, the Jews began to change the way they began their start of the year. Et les Juifs ont commencé à changer la façon dont ils commençaient l'année. And they would now just base it upon a calculation. Et maintenant, ils se basent juste sur un calcul of the new moon, de la nouvelle lune, near the spring equinox, qui se produit près de l'équinoxe du printemps. So for over 1,000 years, et pendant des milliers d'années, because of this pressure that was brought upon by the papacy, à cause de la pression qu'exerçait la papauté sur eux, donc les Juifs, this whole idea of Karaite reckoning, donc le calendrier karaïte, was lost, avait été perdu, except for a few faithful Jews, à l'exception de quelques Juifs fidèles. So when the Millerites came on the scene. Quand les Millérites sont venus au devant de la scène. And they were considering their calendar. Et qu'ils ont considéré leur calendrier. And how to wrestle with these time prophecies. Et comment gérer cette les prophéties de temps. They didn't have clarity to begin with. Ils n'avaient pas une clarté pour commencer. Of how to begin the years. Sur comment commencer l'année. So initially, when William Miller understood. Donc initialement, quand William Miller a compris the 2300 day prophecy, la prophétie des 2300 jours, he used a combination, il a utilisé la combinaison of Gregorian time, du temps donc grégorien, prophetic time, et du temps prophétique, and also Hebrew time, mais également le temps hébraïque. He understood that this was not a civil issue. Il a compris que cela ne consistait pas en une question civile, but it was a religious issue. Mais que cela impliquait un aspect religieux.
du calendrier. But he was not familiar with Karaite reckoning. Mais Milan n'était pas accoutumé avec le calendrier karaïte. So he chose rabbinical reckoning. Donc par conséquent, il a choisi le calendrier rabbinique. But he didn't have clear understanding of rabbinical reckoning. Mais il n'avait pas non plus une bonne compréhension du calendrier rabbinique. Because even in this understanding, there were varying views. Parce que même en prenant ce calendrier, il y avait plusieurs vues. So when William Miller was looking for the start and the end of the year. Donc quand William Miller a commencé à regarder au début de l'année et à la fin de l'année. He knew one thing. Il savait une chose. That the year should start and end in the spring. Que l'année devait commencer et se finir au printemps. Unlike Gregorian time, which begins and ends in the winter. Tout comme le calendrier grégorien commence en hiver et se finit en hiver. So from the very start, he had clarity on that issue. Donc dès le début, il avait vraiment une compréhension claire sur ce point-là. But he thought. Mais il a pensé. That the year should start. Que l'année devait commencer. With the spring equinox. Avec l'équinoxe du printemps. He didn't even take into consideration. Il n'a pas pris en considération. The cycle of the new moon. Le cycle de la nouvelle lune. Now, when we say the new moon, quand nous parlons de la nouvelle lune, technically, de façon technique, the new moon, la nouvelle lune, is a dark moon. C'est quand on parle de la nouvelle lune, nous parlons de la lune noire. So this is what we call. C'est ce que nous appelons the new moon. La nouvelle lune. Now the Jews, maintenant les Juifs, would not start their month with a new moon. Ne commençaient pas leur mois à partir de la nouvelle lune. The reason for that, la raison pour cela, is that you can have a new moon, c'est que vous pouvez avoir une nouvelle lune, for more than one day, pendant plus qu'un jour. So it's not very accurate. Donc ce n'est pas vraiment pertinent. So they would start their month. Donc ils vont commencer leur mois. With what we would call. Avec ce que nous appelons. A conjunction. Une conjonction. So do you want to write that down? After the new moon. Après la nouvelle lune. You understand that you're going to eventually get. Nous comprenons que nous pouvons avoir. A full moon. Une pleine lune. And you understand you go through the cycles of the moon. Et nous comprenons que nous prenons le cycle de la lune. So we understand the conjunction. Nous comprenons que la conjonction. To be the moment that you see the first sliver of silver. C'est quand nous voyons le premier quartier en fin de compte de la lune. So as soon as you see that first bit of silver. Et dès qu'on voit ce petit quartier de lune. We call this the conjunction. Nous appelons ça la conjonction. This is the start. Et ça, c'est le début de l'année. Of the month. Le début du mois. So this is where they would begin the first day of the month. Donc c'est à ce moment-là qu'ils commençaient le premier jour du mois. So we need to take this into consideration. Donc il faut prendre cette information-là en considération. We've spoken about the spring equinox. Nous parlons de l'équinoxe du printemps. We've spoken about the conjunction of the new moon. Nous avons parlé de la conjonction de la nouvelle lune. And we've spoken about the barley harvest. Et nous avons également parlé de la moisson de l'orge. In our previous study. Et dans nos études précédentes. You saw that we did this little diagram. Nous avons fait ce petit graphique. And we've got various conjunctions. Sorry, we've got various equinoxes through the year. Et durant l'année, nous avons plusieurs équinoxes. So I've given the winter equinox. Je vous ai donné l'équinoxe du printemps, de décembre ou de l'hiver. The spring, summer and autumn. Printemps, l'été et l'automne. And going back to the winter. Et on retourne en hiver. This is one full year. Donc voilà une année complète. And this is representative of one day. Et cela représente donc une journée. And one day is composed of 24 hours. Et une journée composée de 24 heures. So I've drawn a graph. Donc là, j'ai dessiné un graphique. Of how many hours of day. Sur le nombre de jours. And how many hours of night. Combien d'heures il y a dans le jour et combien d'heures il y a dans la nuit pour une journée. So all this area underneath this line. Donc toute cette zone en dessous de la ligne. Is daytime. C'est la journée.
And this area here, et cette zone en dessous, au-dessus, is nighttime. C'est les heures de la nuit. And you can see in winter, et vous pouvez voir qu'en hiver, you have a short day and a long night. Et on a les jours sont courts et les nuits sont plus longues. And in the summer, you have a long day and a short night. Et en été, c'est l'inverse. And this is the longest day and this is the shortest day. Et le 21 juin, c'est le jour le plus long et le jour le plus court, c'est le 21 décembre. The spring and the autumn equinox. L'équinoxe du printemps et de l'automne. Identify the time where you get equal day and equal night. Identifie le temps où nous avons le nombre de jours, le nombre d'heures de jour égal au nombre d'heures de nuit. And in the spring. Et au printemps. It almost invariably occurs on the 21st of March. Cela se produit principalement le 21 mars. So that's what this little diagram is showing. Et voilà ce que ce graphique montre. So we've gone to this diagram. Donc maintenant nous allons vers ce graphique. And you'll see we've picked up those three components. Et vous voyez qu'on a pris les trois caractéristiques. The spring equinox. L'équinoxe donc du printemps. The conjunction. La conjonction. And the barley harvest. Et la récolte de l'orge. Now the Jews understood. Les Juifs comprenaient. And we're going to be looking at this rabbinical reckoning and Karaite reckoning. Et nous allons regarder au calendrier rabbinique et karaïte. So first we'll look at Miller's understanding. Donc voilà, on regarde premièrement la compréhension de Miller. When Miller first was working out his calendar dates. Quand Miller a commencé à travailler sur ses dates. He just looked at the equinox. Il a regardé essentiellement à l'équinoxe. So this is what he did. Donc voilà ce qu'il a fait. He looked at the year. Il a regardé à l'année. 1843. Il a regardé à l'année 1843. And he would begin this in the spring. Il a commencé donc l'année au printemps. And end in the spring. Et il l'a fini au printemps. And then 1844. Et en 1844. Would go from spring to spring. Nous allons également de printemps à printemps. So I'm going to put Miller here. Donc là, je vais écrire Miller. This is Miller's understanding. Ça, c'est la compréhension de Miller. And he would mark this point here. Et il va marquer ce point-là. As the 21st. Comme étant le 21 mars. Of March. De 21 mars. The year 18. Mais l'année 1844. 44. If I put Gregorian calendar underneath this. Si je dessine le calendrier grégorien en dessous. We know. Nous savons. That 1844. Que l'année 1844. And 1843. Et 1843. Actually look like this. Ressemble à cela. Because this begins in January. Parce que l'année 43 commence en janvier. And ends in December. Se termine en décembre. Begins again in January. Se commence de nouveau en janvier. And ends in December. Et se finit en décembre. So 1844. 1844 begins in January here. L'année 1844 commence en janvier. But for William Miller, mais pour William Miller, because he's combining this calendar, parce qu'il combinait le calendrier grégorien with this calendar, avec le calendrier rabbinique, he's going to start 1844. Il va commencer 1844 in the spring, au printemps. Not in the winter. Mais non pas en hiver. So we need to be clear on this. Il nous faut être clair sur celui-là, sur ça. So we need to be clear. Il nous faut être clair. In Gregorian reckoning. Dans le calcul grégorien. 1844 begins in the winter. L'année 1844 commence en hiver. In January. En janvier. But when William Miller was reckoning time, mais quand William Miller calculait le temps, so on this chart here, sur cette carte là, where he says 1843, quand il montrait 1843, he's talking about this 1843. Il parlait non pas de notre 1843 grégorien, mais rabbinique. Not this one. Il parlait du rabbinique, mais non pas du grégorien hiver, l'année qui commence en hiver et se termine en hiver. Mais l'année qui commence en printemps et se termine au printemps. So he's going from spring to spring, not winter to winter. Mm-hmm.
So he's combining these two calendars. Donc il a combiné ces deux calendriers. And unless you understand that point. Et à moins que vous ne compreniez ce point-là. When you read this chart and it says 1843. Quand vous lisez cette carte et c'est écrit 1843. You might think. Vous pouvez penser. That the end of 1843. Que la fin de l'année 1843. Is December the 31st. Et c'est donc le 31 décembre 1843. But in William Miller's mind, mais dans l'esprit de William Miller, and in his preaching, et de ses prédications, the end of 1843, la fin de l'année 1843, would occur on the 20th or 21st of March, allait se passer le 21 mars 1844, of the year 1844, mais de l'année 1844. So he has shifted, he has moved 1843 3 months. Donc, en fin de compte, il déplaçait la fin de l'année 1843 à 3 mois plus tard. This is hard. Mais qui allait à cheval sur 44. This is hard for us as Adventists to understand. En tant qu'Adventistes, c'est difficile pour nous de le comprendre. Because all we're used to thinking is. Parce que nous avons toujours réfléchi comme ça. Is this calendar. Avec le calendrier prophétique. So when we're reading Daniel chapter 8, verse 14, donc quand nous lisons Daniel 8, verset 14, and it says 2300 days, et qui nous dit 2300 jours, we convert a day to a year, nous convertissons un jour pour une année, and we say that's 2300 days, et nous disons or years, qu'il s'agit de 2300 jours ou années, and we begin that in the year 457 BC. Et nous commençons donc cette prophétie dans l'année -457. And then we come to 1843. Et nous arrivons en 1843. Or 1844, depending. Ou bien 1844. Depending on how you do that calculation. Tout dépend comment vous faites ce calcul. And what we never think about. Et ce à quoi nous n'avons jamais pensé. Is the Hebrew calendar. C'est au calendrier hébreu. But this was the key. Mais là, c'est la clé. The difference between spring and winter, entre les deux calendriers, le printemps et l'hiver. That helps us to understand, qui nous permet de comprendre. The date October 22nd. La date du 22 octobre 1844. Without this understanding, sans cette compréhension de calendrier, we don't understand, nous ne comprenons pas. What the Millerites were thinking. Ce que les Millerites pensaient. When they were doing all their calculations. Quand ils faisaient tous leurs calculs. So we've looked at William Miller's work here. Donc on regarde à l'œuvre au travail de William Miller. Now straight away we can see. Donc directement nous pouvons voir. That William Miller was incorrect. Que Miller était donc incorrect. Because all he's thinking about is March 21st. Parce que ce à quoi il pensait c'était le 21 mars 1844. Which is the spring equinox. Qui correspond à l'équinoxe du printemps. But rabbinical reckoning. Mais le calcul rabbinique. Has to take into account. Devait prendre en considération. Not only the movement of the sun. Non seulement le mouvement du soleil. This is the movement of the sun. Ça, il s'agit du soleil. They have to take account. Ils devaient prendre en compte aussi. Of the cycle of the moon. Le cycle lunaire. You have to combine the sun and the moon cycle together. Il fallait combiner le cycle lunaire et le cycle solaire ensemble. To understand where you're going to start your year. Afin de comprendre à quel moment l'année commençait. Initially, William Miller only understood the first part. Mais au début, donc Miller n'a compris que la première partie. Which was a good start. Qui était déjà un bon début. So he shifted from the winter to the spring. Donc il a déplacé la fin de l'année de l'hiver au printemps de l'année d'après. But the rabbis. Mais les rabbins, eux. They had to factor in the moon cycle. Ils devaient donc se baser sur le cycle lunaire. We'll read about this in a moment. Nous allons le lire dans un moment. But what they would do. Mais ce qu'ils ont fait. If we look at this diagram, si nous regardons au premier graphique, they would understand and they would know. Ils ont compris et ils savaient. Because you can calculate this. Parce que vous pouvez le calculer. When the spring equinox is going to happen. À quel moment l'équinoxe du printemps allait se passer. Then to start their year. Donc pour commencer l'année. They're going to start their year. Ils avaient commencé l'année. The first day of the first month. Le premier jour du premier mois. On the cycle of the moon. Sur le cycle de la lune. It's not the cycle of the sun. Et non pas le cycle solaire. So this is how they do this. Donc voilà de quelle façon ils ont fait ça. For years ahead.
à plusieurs années auparavant. We can calculate the cycle of the moon. Nous pouvons calculer le cycle lunaire. And the Jews could do that thousands of years ago. Alors que les Juifs, eux, pouvaient le faire depuis des milliers d'années. In fact, all the ancient civilizations. En fait, toutes les anciennes civilisations. The Egyptians, the Babylonians, the Jews. Les Juifs, les Babyloniens, les Égyptiens. All of them. Tous. Could calculate the cycle of the moon. Pouvaient calculer le cycle lunaire. Hundreds of years into the future. Et plusieurs années dans le futur. So, when you come up to this spring equinox. Quand nous arrivons à cet équinoxe du printemps. You lay on top of that. Sur ça, vous posez, superposez. The conjunctions of the moon. La conjonction lunaire. We normally just call it the new moon. Nous l'appelons la nouvelle lune. But I've explained the technical difference between the new moon and the conjunction. Mais je vais vous expliquer le détail technique entre la nouvelle lune et la conjonction. And they would take. Et ils vont prendre donc. Which moon? Quelle lune? Was closest to the spring equinox. Est la plus proche de l'équinoxe du printemps. So I've shown you two examples here. Donc là, je vous ai montré deux exemples. This is one example. Le premier exemple. You've got each monthly cycle. Vous avez le cycle mensuel. So, if this is one month. Si ça c'est un mois. The next month would be about here. L'autre mois sera à peu près là. And the next one would be about here. Et l'autre sera à peu près so là. So you can see that they can see the moon. Donc vous voyez qu'on peut voir la lune. Running through their calendar. Qui parcourent leur calendrier. And I've given another example here. Et je vous donne un autre exemple là. And you can see this one is looking et something like this. Et vous pouvez voir que celui-là ressemble à ça. And then the next one would be around here somewhere. L'autre sera peut-être pas par là. So they've got the spring equinox. Donc là, il y a l'équinoxe du printemps. And they're going to see. Et ils vont voir. Which moon. Quelle lune. This one or this one. La première ou l'autre is closest to the spring equinox. Est le plus près de l'équinoxe du printemps. So in this example, dans cet exemple, you could see that the conjunction, on peut voir que la conjonction that is closest to the spring equinox est très près de l'équinoxe du printemps. Is the one that comes before the spring equinox. Donc la lune qui est plus près de l'équinoxe est celle qui vient avant l'équinoxe. And in this example, et dans le deuxième exemple, you can see that this conjunction, nous pouvons voir que cette conjonction de la lune, is closest to the spring equinox, est plus proche de l'équinoxe du printemps. So, in any particular year, dans n'importe quelle année particulière, we'll say this year here. On va dire par exemple cette première année. In this year here, dans cette année, this would be the first day. Là, ça serait donc le premier jour. Of the first. Month. Du premier mois. But in this year, mais dans la deuxième année, this would be the first day. Là, ça sera le premier jour of the first month. Du premier mois. This is rabbinical reckoning. Ça, c'est le calcul rabbinique. They're going to look at the spring equinox. Donc, ils vont regarder à l'équinoxe du printemps. And they're going to see which conjunction is closest. Et ils vont voir quelle conjonction est plus près de l'équinoxe du printemps. So, I should be pointing between this one and this one. Je dois le pointer entre ces deux-là. This is the closest for this year. Pour cette année-là, donc, la lune est plus près, celle-là, cette conjonction. And in another year. Et pour l'autre année, this one was the closest. Donc cette première ligne sera la plus près. So from year to year, d'année en année, their year would begin the first day of the first month. L'année va commencer le premier jour du premier mois. Sometime after the spring equinox or sometimes before. Quelquefois après l'équinoxe du printemps et parfois avant l'équinoxe du printemps. So this is the mistake that William Miller made. Et là, c'est une des erreurs qu'a fait William Miller. You can't fix it at the 21st of March. On ne pouvait pas la fixer l'année au 21 mars. You have to determine in any particular year. Il fallait déterminer pour chaque année. If the conjunction was going to be here. Si la conjonction donc de la lune serait là avant l'équinoxe ou après l'équinoxe. And the way you calculate that. Et la façon de calculer cela. You see which one is the closest.
On regarde lequel est le plus proche. That's rabbinical reckoning. Et là, c'est le calcul rabbinique. But we understand there's another reckoning, which is Mais Karaite reckoning. Nous comprenons qu'il y a un autre calcul, le calcul Karaïte. I've already mentioned. Et je l'ai déjà mentionné. Because the papacy tries to change times and laws. Parce que la papauté a essayé de changer les temps et la loi. And Satan understood thousands of years ago. Et Satan a compris de milliers d'années auparavant. The importance of the 2,300 day prophecy. L'importance de la prophétie des 2,300 jours. As soon as the man of sin came into power. Dès que l'homme du péché est venu au pouvoir. He began to bury this information. Il a commencé à enterrer ces informations. So that it wouldn't be visible to God's people. Afin qu'elles ne puissent pas être visibles pour le peuple de Dieu. And this is what began to cause these problems in Millerite history. Et c'est ce qui a commencé à causer des problèmes pour l'histoire des Millerites. The Millers just going to be working on the spring equinox. Non seulement ils allaient travailler sur l'équinoxe du printemps. And then there's a confusion of whether it's going to be rabbinical time. Et après, il y a une confusion. Est-ce qu'on allait se baser sur le temps rabbinique? Which is just to do with the conjunction of the moon. Qui a à voir avec la conjonction de la lune. The one that's closest to the spring equinox. Celle qui est le plus près de l'équinoxe, donc du printemps. And they didn't have understanding of Karaite reckoning. Mais ils n'avaient pas de la compréhension du calendrier karaïte. So in this time period here, donc dans cette période de temps là, we're in the year of 1843. Nous sommes dans l'année 1843. William Miller's already stated. Miller a déjà donc déclaré that Christ is going to come. Que Christ va venir. Sometime in this year here. Quelque part dans le courant de l'année là. Sometime from the spring. Entre le printemps of 1843 to the spring of 1844. Entre le printemps de l'année 1843 et le printemps de l'année 1844. And he understood this long before 1843 came. Et il l'a compris cela, cette vérité, bien avant que 1843 n'arrive. But he wasn't clear. Mais il n'était pas clair. At what point in the year Christ was going to come? Sur le moment précis de l'année où la venue de Christ allait se réaliser. His calculations were not that accurate. Et ses calculs n'étaient pas aussi précis. But when they produced this chart in 1842, et quand ils ont produit la carte de 1843 dans l'année 1842, even though he's not specifying a particular day, bien qu'il ne spécifiait pas un jour particulier, because there was a warfare, parce qu'il y avait une guerre, une lutte là, that said no man knoweth the day or the hour, parce que on disait que personne ne connaît l'heure ou le jour, the Millerites were not pursuing the exact day. They didn't want to look at it. Les Millerites ne voulaient pas regarder à la date exacte Because du retour de Christ. They would have been considered to be fanatics. Parce qu'ils auraient été considérés comme des fanatiques. So they just contented themselves. Donc ils se sont contentés. With talking about the year. À parler de l'année. But when that year came onto that chart. Mais quand cette année est mise sur la carte. And this was the foundation of their faith. Et ça, la carte de 1843, c'est le fondement de leur foi. The enemies began to work against them. L'ennemi a commencé à travailler contre eux. For one simple thing. Pour une seule chose. Four times on that chart. Quatre fois sur cette carte. They had that number 1843. Il y a le nombre 1843. And they saw this as time setting. Et ils ont dit que ça c'était le fait de fixer le temps. Even though they didn't give the day. Bien que les Millerites n'ont pas donné une date précise. So they're running through history. Donc ils ont parcouru l'histoire. The spring of 1843 has begun. Le printemps de l'année 1843 a commencé. William Miller has already defined the year. Miller a toujours défendu une année as the march to march, comme étant le début de l'année, donc 43 mars, et sa fin 44 en mars, en 21 mars 44. We know today that he was wrong. Donc, Donc, Miller a toujours commencé l'année par le 21 mars 43 et se finissait le 21 mars 44 pour l'année 1843. Continue. So the year has begun. Donc l'année a commencé. And people are getting more
argumentative over this issue about how to begin and end the year. Et l'année 43 donc a commencé, les gens ont commencé à être à argumenter un peu plus sur sur quelle base l'année commençait. So the Millerites are forced now to investigate and defend this day. Donc les Millerites ont été contraints là maintenant à investiguer sur ce sujet-là et à trouver la date. During this investigation, et durant ces recherches, they realized Miller's mistake. Ils ont réalisé l'erreur de William Miller. And then they understand that they have to take the conjunction of the moon into account. Donc ils ont compris qu'il fallait qu'ils prennent en considération la conjonction lunaire. Which we understand to be rabbinical reckoning. Que nous comprenons comme étant la base du calcul rabbinique. And this has been the standard for thousands of years now. Et cela a été la base pendant des milliers d'années maintenant. But then they understand there's another little group of Jews. Mais après, ils ont compris qu'il existe un petit groupe de Juifs. Who take account of the barley harvest. Qui prennent en considération la récolte de l'orge. And these groups claim to be biblically based. Et ce groupe-là, les Karaïtes, se revendiquaient être basés selon la Bible. So the Millerites begin to investigate these two reckonings. Alors les Millerites ont commencé à investiguer sur ces deux calculs. And in this time period here, et durant cette période de temps là, as they're approaching the 21st of March, alors qu'ils approchaient le 21 mars 1844, the Millerites begin to understand, les Millerites ont commencé à comprendre, that Karaite reckoning, que le calcul des Karaïtes, is the correct reckoning, était le calcul correct. But this understanding of William Miller, mais cette compréhension de William Miller, is so embedded in their minds, it's fixed in their minds. Et fixé dans leur esprit. That the Millerites. Que les Millerites. Think that it might be this one. Donc ce mode de calcul était si ancré dans l'esprit des Millerites qui disait que ça peut être le calcul karaïte qui est bon. But maybe it's this one. Mais peut-être qu'en fin de compte c'est le calcul rabbinique le bon. When they get to the 22nd of March, mais quand ils sont arrivés à la date du 22 mars 1844, Christ hasn't returned. Christ n'était pas revenu. And they get a disappointment. Donc ils ont eu un désappointement là. But we don't mark this as a disappointment. Mais nous ne marquons pas leur désappointement à la date du 22 mars 1844. Because the Millerites immediately recognized. Parce que immédiatement les Millerites ont reconnu. And accepted the fact. Et accepté le fait. That Miller was wrong here. Que Miller avait faux là. And that Karaite reckoning is correct. Et qu'en fin de compte c'était le calendrier karaïte qui était le bon. So the point I'm making here. Le point que je suis en train de mettre ici. Even before this date. Même avant la date du 21 mars 1844. The Millerites knew about Karaite reckoning. Les Millerites savaient sur le calcul karaïte. They already had the date. Ils avaient déjà la date. So when it comes to the 22nd of March. Donc quand ils sont arrivés à la date du 22 mars 1844, there wasn't a big disappointment. Ils n'étaient pas vraiment désappointés. Because they say, we knew Miller was wrong anyway. Ils disaient, on savait que Miller avait faute de toute façon. Because he's not following biblical reckoning. Parce qu'il ne suivait pas le calcul biblique. According to the Karaites. Selon le calcul des Karaïtes. So let's look at this Karaite reckoning. Donc regardons maintenant au calcul des Karaïtes. We've discussed the spring equinox and the conjunction of the moons. Nous avons discuté de l'équinoxe du printemps et de la conjonction de la lune. But we know. Mais nous savons. On the 16th day of the first month. Le 16e jour du premier mois. Which is 2 days after the Passover. Qui est donc 2 jours après la Pâque. That the Jews were required. Il était demandé aux Juifs. To look at their harvest. De regarder à leur moisson. And take the first ripe grains. Et de prendre le premier grain mûr. And in Israel that was a barley harvest. Et pour Israël c'était la récolte donc de l'orge. In the spring. Au printemps. And they'd reap those first few grains. Et ils devaient donc cueillir donc ces premiers grains mûrs, orge mûr. And they would offer them to Christ. Et or ils God. Devaient prendre donc ces gerbes d'orge mûr et les offrir à Christ. And we understand that to be the wave sheaf offering. Et nous comprenons que cela était donc la
l'offrande de la gerbe agitée, which is given on the 16th day, qui a été donnée donc au 16e jour, or the second day of unleavened bread, ou le deuxième jour des pains sans levain. So if you're going to have some barley that's ready for harvesting, pardon, if you're going to have barley, si on aura donc l'orge that's ready to be harvested, qui est prêt donc à être moissonné, on the 16th day of the first month, le 16e jour du premier mois, and it has to be on that day, et il se doit être en ce jour-là, if you go back 16 days, si vous revenez au 16e jour avant, you're at the first day of the first month, vous arrivez donc au premier jour du premier mois, which is the beginning of the new year, qui est le commencement de la nouvelle année. And how do you begin the new year? Et comment commencez-vous la nouvelle année? With the conjunction of the moon. Avec la conjonction lunaire. So, ainsi, in this year here, pour cette année là, is this the new year or is this the new year? Est-ce ça la nouvelle année ou est-ce ça là? This is closer to the equinox donc, than this one. Cette conjonction est plus proche de l'équinoxe que la première. So you know that this here is the beginning of the new year. Donc nous savons que cette conjonction là c'est le début de la nouvelle année. But in this year, mais dans cette année là, this is the new year. La première conjonction, c'est le début de la nouvelle année. Because it's closer to the spring equinox. Parce qu'elle est plus proche de l'équinoxe du printemps. So we've identified the first day and the first day. Donc nous avons identifié sur les deux lignes le premier jour du premier mois. So we could call this year one. Donc on peut appeler la première ligne la première année. And this would be year two. Et la deuxième ligne, ça sera la deuxième année. If this is the first day of the first month, si c'est le premier jour du premier mois, we go 16 days. Donc nous plaçons 16 jours. And then we're gonna have. Et au 16e jour, the barley harvest. Nous aurons donc la récolte de l'orge. But we're only talking about the first fruits. Mais là, nous parlons que des prémices. Not everything may be ready then. Parce que c'est peut-être pas tout ce qui sera prêt. So we're going to cut some grain. Donc nous allons donc couper quelques gerbes. Only the ones that are ripe. Seulement celles qui sont donc mûres. And we're going to wave them before the Lord. Et nous allons les agiter devant le Seigneur. And we have to do that on the 16th day. Et cela doit se faire le 16e jour. Of the first month. Du premier mois. And if this is the first day of the first month. Et si donc sur la deuxième ligne cette conjonction c'est le premier jour du premier mois. Then in this year. Donc cette année là. The 16th day would be here. Le 16e jour sera à ce niveau là. Par rapport à l'orge, la récolte des premières gerbes de l'orge. In year two, dans l'année 2, if this was the 21st of March, si là c'est le 21 mars, l'équinoxe, say for example this is 10 days, disons par exemple c'est 10 jours là, ce laps de temps, what day would this be in the Gregorian calendar? Donc dans le calendrier grégorien, quel this jour is, serait? This is the 21st of March. Donc là c'est le 21 mars. What would this be? Quel serait donc the 31st of March. Donc le 31 mars dans le calendrier grégorien. Yeah, because it's the 21st. Parce que c'est 21. This is the 31st. Et là c'est le 31. And then you're going to go 16 days. Et après tu vas aux 16 jours. So this would be the 16th of April. Mm-hmm. A-V-R, that's all, c'est bon. So this would be the 16th of April. Donc là ça sera le 16 avril. Now in this year, dans cette année, if this was 10 days here, si là, donc il y a 10 jours, this beginning of the year, le commencement de l'année, would be the 11th, sera donc le 11, of March. Mars. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? And then we'd go 16 days, et ensuite nous aurons 16 jours après, so what day would this be? Donc, ça sera quoi, le 27? Fifth. 20. Is that correct? No, it's not. It's the 27th yeah. March. 27th of March, that's correct, yes. So, ça sera le 27 mars. In this year, you've got the 16th of April. Donc, la deuxième ligne, l'année sera le 16 avril. And this one, you've got the 27th of et March. Et la première ligne, ça sera le 27 mars.
The time between here and here. Le temps entre la première le fossile. From the 27th of du 27 mars to the 16th of April. Au 16 avril. Is approximately. C'est approximativement. 3 weeks. 3 semaines. Approximately. Because it's 20 days. Parce que c'est 20 jours. Which is approximately 3 weeks. Qui est environ 3 semaines. Now I've just given these numbers generally. Je vous donne ces nombres en général. Because what I want to show you. Ce que je veux vous montrer. Depending from one year to another. Selon une année par rapport à l'autre. If you use this conjunction or this conjunction. Si vous utilisez cette conjonction lunaire ou l'autre. Then you're going to get the 16th day. Le 16e jour. And they could be 3 weeks apart. Et il peut y avoir un écart de 3 semaines. But you can see there's a problem now. Mais vous pouvez voir qu'il y a un problème maintenant. This barley harvest. Parce que cette récolte d'orge. What's the barley when it gets ripe? Continue. What does it depend upon? L'orge dépend sur quoi pour quand il est mûr? Does it depend upon the moon or the sun? Est-ce que ça dépend de la lune ou du soleil? It depends on the sun, because the moon cycle is nothing to do with the barley. Parce que le cycle lunaire n'a rien à voir avec l'orge. So, if it's over here, si ça se passe là, it's early in the year. C'est très tôt durant l'année. And the barley may not be ready here. Et le 27 mars, l'orge ne sera pas encore prêt. So in Israel. Donc en Israël. It can get quite cold in winter. Il peut faire assez froid en hiver. And on any particular year, they could have had a hard winter. Et quelle que soit l'année, ils peuvent avoir aussi des hivers très rigoureux. And you can see I've put 10 days here. Et vous voyez là, j'ai mis 10 jours. But how many days are there in a month? Mais combien de jours il y a dans un mois, on a dit? 29 or 30. Il y a 29 jours ou 30 jours. So this date could have been a bit further back. Donc ce jour-là, ça peut être même avant. This could have been 14 days. Ça peut être 14 jours. And if this was 14 days. Et si c'est 14 jours. This would have been taken back 4 days more. Ça va donc nous ramener 4 jours avant. And we would have had the 23rd of March. Et on serait arrivé au 23 mars. Now, for most years in Israel. Et pour la plupart des années en Israël. They have a hard winter. Ils ont eu un hiver dur. And by the time you get to the 23rd of March. Et à un moment d'arriver au 23 mars. The barley will not be ready. L'orge n'est pas encore prête. Because it just can't get ready that quickly. Parce qu'elle ne peut pas être prête aussi rapidement. Because you can't plant the barley too early. Tu ne peux pas planter l'orge trop tôt. In the winter. En hiver. You have to wait till a certain time. Il faut attendre un certain temps. Before you can begin to plow and then sow your avant seed. Avant de pouvoir labourer et semer les graines. So if you're at this cycle here. Si nous sommes dans le premier cycle là. This date may be too soon. Cette date risque d'être trop proche. For a barley harvest. Pour la récolte de l'orge. Now if you had this year too. Et si vous êtes dans l'année 2. This might have been 14 here. Ça peut être 30 là. So if this was 14. Donc pardon, ça peut être 14. This would have been what? Ça sera quoi? 20. Ça sera le 20. Avril. So you can see if on this year here. Vous pouvez voir que dans la deuxième ligne là de l'année. If this was the new moon. If this was the new year. La nouvelle année. The barley harvest. La récolte de l'orge. The first fruits. Les premiers fruits. Would have been the 20th of April. Aurait été autour du 20 avril. So you're well into spring now. Donc là vous êtes spring. Into spring. Là, on est près du, on est au printemps. So it's likely that the first grains of barley will be ready here. Donc là, il y a plus de chances que que l'orge soit prête. Now, the Jews know these cycles. They know when they're going to happen beforehand. Et les Juifs, eux, ils savaient avant même que ça ne se passe quand est-ce que ça allait arriver. So even the year before. Ils connaissaient le cycle, donc même une année auparavant. If we're in year 10. Pardon? Say we're in the year number 10. Disons que nous sommes à l'année 10. And it's December.
et que nous sommes en décembre, they know that next year in the spring, ils savaient que l'année d'après, au printemps, the new year is going to begin. Ils savaient que l'année allait commencer. Quand l'année allait commencer, they can calculate the equinox and the conjunction. Ils pouvaient calculer la conjonction et l'équinoxe du printemps. So you're in year 10. Et nous sommes dans l'année 10. When the spring happens, you're going to go into year 11. Et quand le printemps va arriver, on entre dans l'année 11. So they know when year 11 comes. Ils savaient donc quand l'année 11 allait commencer. They know if it's going to be this conjunction or this one. They'll know which one. Et ils savaient quelle conjonction lunaire choisir. So we're in year 10. Donc nous sommes dans l'année 10. And they calculate. Et ils ont calculé. In year 11, pour l'année 11, so we're over here and we're looking forward, donc nous sommes là et nous regardons plus loin, and they say, in year 11, et ils disaient, dans l'année 11, at the end of this year, à la fin de l'année, this is the conjunction. Ça sera cette conjonction qu'il faudra prendre. Now they're worried. Ils étaient inquiets. Because they know this is before the spring equinox. Parce qu'ils savaient que cela se passait, cette conjonction, avant l'équinoxe du printemps. And the barley might not be ready. Et que la récolte d'orge ne serait peut-être pas prête. So what they're going to do is this. Donc ce qu'ils allaient faire était cela. The Jews have been studying all of these cycles. Donc les Juifs avaient étudié tous ces cycles. For hundreds of years. Pendant des centaines d'années. And they're experts. Et ils étaient vraiment des experts. They're experts at two things. Ils étaient des experts sur deux choses. They're expert to know when the conjunction is. Ils étaient experts pour savoir quand la conjonction allait se passer. Because this is quite complicated. Parce que là, c'est assez compliqué. And also they're experts. Mais ils étaient également des experts. To look at barley. Pour regarder la récolte d'orge. When it's very young. Quand il est très à ses débuts. And they know when it's going to be ready. Et ils pouvaient savoir quand est-ce que la récolte d'orge serait prête. They know what date that's going to be. Ils savaient quelle date ça allait être pour la conjonction. In our example, dans notre exemple, this was the 11th of March. Cela aurait été le 11 mars. They already know that. Ils le savaient déjà. Way back here. Des mois précédemment. Somewhere around here, mais quelque part au cours de l'année, they're going to plant the barley harvest. Ils vont donc planter l'orge. 50 days before, 15 jours auparavant, this date here, 50 jours, pardon, auparavant, they're going to look at the barley. Ils vont donc, avant l'équinoxe, avant la conjonction, pardon, lunaire, ils vont regarder à la moisson, à l'orge. And the barley looks like this. Et l'orge ressemble à un petit épi en début de pousse. These people are experts at doing this. Mais ces personnes sont des experts à faire they'll cela. They'll look at the barley. Ils regardent donc à l'orge. And they'll say this. Et ils diront ceci. In 50 days time, dans 50 jours, plus the 16 days, plus les 16 jours, so in 66 days, donc dans 66 jours, they know that this barley, ils savaient que cette orge, if it's in this condition today, si il était dans cette condition aujourd'hui, is not going to be ready, ne sera pas prêt pour la moisson. So we've got to the 27th of March, donc nous arrivons au 27 mars, and the expert here, et les experts bien avant, he says no. On dit non. It won't be ready for the 27th of March. L'orge ne sera pas prêt pour le 27 mars. So they're going to make a decision. Donc ils prendraient une décision. Before they get here. Avant d'arriver à la conjonction lunaire. They're going to say this is not the first day of the first month. Ils vont dire alors que cette conjonction lunaire tout près de l'équinoxe de printemps n'est pas le premier jour du premier mois. So they're going to add an extra month. Donc on. À ce moment-là, ils vont rajouter un mois supplémentaire. Right here. We call it a leap month. On appelle ça un mois intercalaire. So there they'll say, it's not going to be ready. Ils disent donc l'orge ne sera pas prêt le 27 mars. Add an extra month on. Donc nous allons y rajouter un mois supplémentaire intercalaire. So this becomes the first day of the first month. Et cela donc la prochaine conjonction lunaire sera donc le premier jour de l'année. Premier jour du premier mois. This here was the 12th month.
Donc là, c'était le 12 mois, là. We agree with that. Vous êtes d'accord, là? And this was supposed to be the first month. Et là, c'était supposé être le premier mois. But now they're going to say this is the 13th month. Mais là, ils vont dire que non, là, c'est plus le premier mois de l'année. C'est le 13e mois. And then they're going to say, l'année précédente. This is the first day of the first month. Et là, à la prochaine conjonction, ils vont dire que c'est le premier jour du premier mois. 16 days. Ils vont compter ensuite 16 jours. And the barley will definitely be et ready. À ce moment-là, l'orge sera vraiment prête. So, ainsi donc, from one year to the next, d'une année à une autre, they have to check lots of things. Ils devaient donc vérifier beaucoup de choses. They have to check the equinox ils and the conjunction. Vérifier donc à l'équinoxe du printemps et à la conjonction lunaire. And they have to check if the barley will be ready. Et ils devaient également here. Regarder si l'orge était prête. They're going to check the barley 50 days before. Et ils allaient vérifier la condition de l'orge 50 jours avant la conjonction lunaire. In this year. Et durant l'année, le graphique 2, they know this is the conjunction closest to the equinox. Donc là, ils savaient que la conjonction lunaire était plus proche de l'équinoxe. 50 days before, 50 jours avant, they look at the barley, ils regardent à l'orge. And they say, oh look, yeah, this looks quite good. Et ils disent, regardez, ça semble pas mal. We know, nous savons donc, 50 plus 16. 50 jours plus 16 jours. In 66 days. Ça représente 66 jours. This barley will be ready. Donc dans 66 jours, l'orge sera prête. Not the whole harvest. Non pas toute l'orge. But just some of the first fruits. Mais les prémices. So they'll say yes. This is the conjunction to begin the year. Donc il disait effectivement cette conjonction lunaire, c'est celle-ci pour commencer l'année. So this will be the la first nouvelle day année. Donc ça serait à la conjonction lunaire, le premier jour du premier mois. And then this will be it. Et 16 jours après, ça serait la récolte. So in summary, les prémices de l'orge. Pour résumer, when they find that the conjunction quand ils ont trouvé que la conjonction lunaire is going to tend to be on this side of the spring equinox sera avant l'équinoxe du printemps, the year would start too early. L'année commencerait trop tôt. So they would tend to add in an extra year, donc an extra month. Ils vont ajouter à l'année un mois supplémentaire, un mois intercalaire. And they have to check this year by year. Et ils devaient faire cette vérification année après année. To make sure that they can have a barley harvest. Pour s'assurer qu'ils pourraient avoir une récolte d'orge. And in this example. Et dans cet exemple du graphique 1. They can't have it here. Ils ne pouvaient pas l'avoir en mars. It has to be one month in the future. Il a fallu ajouter un mois supplémentaire. Which is around the 27th of April. Qui les ramenait donc non pas au 27 mars mais au 27 avril. But in this month. Mais dans le graphique 2 pour ce mois. The 16th of April would have been fine. Le 16 avril serait parfait pour la récolte d'orge. So from year to year. Donc année après année, their new year et leur nouvelle année would begin around commençait autour late March plus loin tard en mars to early April ou au début du mois d'avril. So it would often be between the end of March and the beginning of April. Donc c'était toujours entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. It was very rare. C'était très rare to begin a new year de commencer une nouvelle année in the first part of March, dans la première partie du mois d'avril before the spring equinox. Avant l'équinoxe du printemps. It may happen sometimes, cela aurait pu se passer, a pu se passer quelques fois, but not very often. Mais très peu de fois. So the Millerites understood this. Les Millerites ont compris cela. Before March 21st. Avant le 21 mars 1844. And they understood, et ils ont compris, as they got closer to this date, alors qu'ils approchaient de cette date, this dynamic, cette dynamique. And they understood for the year 1844, et ils ont compris pour l'année 1844, and the year 1843, et l'année 1843, that they would have a leap month, qu'ils auront un mois intercalaire supplémentaire. Donc. So in the year 1843, dans l'année 1843, there are 13 months. Il y a eu donc 13 mois. And the year 1844. Et l'année 1844. There are 12 months. Il y a eu 12 mois.
It's this that's important to us. Et pour nous, ça, c'est une information importante. Because it's going to push the beginning of the year. Parce que ce mois intercalaire va repousser le commencement de l'année. One month into the future. Un mois après dans le futur. So you may be familiar with the fact. Donc vous êtes peut-être familier avec le fait. Even today. Que même aujourd'hui. There's an argument. Il y a une controverse. People don't agree with October 22nd anyway. Les gens ne sont pas d'accord avec la date du 22 octobre 1844. But they say in this year here, 1844. Mais ils disent que dans cette année 1844. According to the Jews. Selon le calendrier juif. And this is 99% rabbinical. Et il est basé sur 90% du calendrier rabbinique. That the Day of Atonement was in September. Que le jour des expiations est donc se passait donc en septembre. It's only according to the Karaite reckoning. Mais c'est seulement selon le calendrier karaïte. That we say it's not in September. Que nous pouvons dire que ce n'est pas en septembre. One month later in October. Mais c'est un mois après en octobre. And we're basing that upon the fact. Et nous nous basons sur le fait. Of the barley harvest in that year. Que sur la récolte de l'orge de cette année. Because they had this situation here. Parce que ils ont été confrontés à la situation du graphique numéro 1. So this is the year 1844. Donc là, c'est l'année 1844. Here. Ici. They had a very early. Ils ont eu. Conjunction. Une conjonction lunaire très tôt avant l'équinoxe du printemps. The barley harvest couldn't have been ready. Et la récolte de l'orge n'aurait pas pu être prête. So they added an extra month. Donc ils ont ajouté un mois intercalaire, un mois supplémentaire. And so they make this. Et ils ont pris donc la prochaine conjonction lunaire the first day, the first comme month. Étant le début de la nouvelle année, le premier jour du premier mois. And even today, there's this still argument between September and October. Et encore de nos jours, il y a cette controverse entre la fin de l'année, donc le 21, pardon, septembre ou octobre. And it's based upon this understanding of the barley. Et cela est basé sur la compréhension de l'orge. Let's close with prayer. Finissons par la prière. Heavenly Father, Père Céleste, help us to grapple with this information. Aide-nous à saisir ces informations. Lord, even though this may seem just like intellectual knowledge, même si cela semble être une connaissance intellectuelle, you have told us, tu nous demandes, that the sealing, que le scellement, is both an intellectual. Est intellectuel, and a spiritual, mais également spirituel, settling into the truth. Un affermissement dans la vérité. Help us not to make a mistake, Father. Aide-nous à ne pas faire d'erreur, Père, in thinking, en pensant, that we don't need to struggle with this intellectual information. Que nous n'avons pas besoin de nous battre avec ces informations intellectuelles. We need to be able to stand on a firm foundation. Nous devons être capables de nous tenir sur une fondation solide. So when we're questioned, parce que lorsque nous serons questionnés et mis au défi, we may be able to give an answer for our faith. Que nous serons en mesure de donner une réponse pour notre foi. Bless us to this end, we pray. Bénis-nous, Seigneur, nous t'avons prié. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.